Coucou tout le monde, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 d'Omori. La dernière fois, je vous avais quitté et, après avoir planté un coup de couteau dans le cœur. Non, pas dans le cœur, mais voilà. Après avoir niqué Aubrey, mais là, on dirait que, bon, voilà, elle est pas ici, donc on est parti la chercher. Oh, attends, je te connais, tu t'appelles Charlie, c'est ça! Je te vois souvent traîner avec Aubrey. Tu sais pas où elle est? Charlie qui dit rien. Tu sais, Charlie, ça se voit que t'es pas du genre à être méchante, hein. Aubrey a pris un truc important à Basile et on doit le récupérer. Il s'agit de la bonne photo. On doit le récupérer. Y a un moyen que tu nous aides? Charlie qui dit. Point, point, point. Et elle frappe un arbre. Charlie va très bien. Charlie est normal. Et que... Hein? Et où? Pourquoi t'as fait ça? Ah! Si ce n'est pas qu'elle... Si n'est-ce pas qu'elle et le mec chelou au couteau? Tes adversaires de taille contre un grand et puissant Angèle... Enfin, je suis... Enfin, il est l'heure pour vous de connaître votre perte. Il s'appelle Angèle. Angèle, on n'a pas le temps pour ça. On a juste envie de trouver Aubrey. Est-ce que tu sais où elle est? Vous êtes à la recherche d'Aubrey, c'est ça? Intéressant! Je vais vous dire ce que je sais. Mais avant, vous devez me battre lors d'un combat. Mais putain, mais j'en ai marre de combattre des gens, là. Un combat, mais je veux pas frapper un gosse. En plus, à travers son couteau, ça se fait pas. Tu ne réussiras même pas à me toucher. Allez, on y va, Charlie. Charlie qui fait trois petits points. Charlie qui est chelou, comme tout. Ah, d'accord, c'est Charlie, ça? Elle fait 6 mètres de haut. Ah là 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 là. Bon bah ouais, bah on va attaquer hein. Est-ce qu'on peut Non, on va pas se calmer. Ah ouais, se calmer, ça peut être pas mal de le donner à... Ah mais je peux pas. Ouais mais non mais je voulais pas que Omori se calme, je voulais que Omori calme le gars. Parce qu'il est complètement excité frère. Bah du coup je peux que attaquer. Ah mais je peux attaquer Charlie, mais je pense que Charlie elle s'en bat les couilles genre. Charlie elle a pas l'air très très active. Hein. Charlie, trois petits points. Je crois qu'on a fini le petit combat de merde là. Comment ça se fait mon entraînement? Tout ça pour rien. En fait, Charlie, elle fait 6m50, je suis choqué. Et elle parle toujours pas. J'ai mal à la tête. C'est toi qui as commencé. Espèce de brute. Ok, Angèle, c'est le moment d'être sérieux maintenant. On vous a battu, Charlie et toi, alors dites-nous où se trouve Aubrey. Une promesse est une promesse, j'imagine. Je vais tenir ma parole et vous dire ce que je sais. Trois petits points. La vérité, c'est qu'Aubrey est quelque part dans lointaine ville. Probablement. C'est Angèle. Tu ferais mieux de ne pas faire l'idiot, sinon... Je vous ai dit ce que je savais. Et la vérité, c'est que j'en sais rien. Il va niquer sa mère, en fait, lui. Angèle, tu ferais mieux de nous dire où elle se trouve maintenant. Ou alors je raconte tout le monde à la fois où tu t'es pissé dessus en colo.
Quoi? Quoi? Tu ne peux pas faire ça. C'est de la triche. De toute façon, je ne sais vraiment pas. Peut-être que tu peux demander à mon maître, le marginal. C'est le gardien du savoir. Il me l'a dit lui-même. Le marginal. Oh non, tu veux dire le gosse chelou, le gosse chelou, Michael? Ah, d'accord. Ouais, j'ai toujours été chelou, je savais. Ne t'avise même pas ne t'avise même pas de l'appeler par ce nom. Il serait outré par cela. Oh, je vois, donc c'est lui. Où est-ce qu'on peut trouver je veux dire le marginal? Je vais vous dire ce que je sais, mais vous devez d'abord m'affronter. Ou bien je peux raconter à tout le monde que t'as pissé, je sais pas quoi. Ok, très bien, je vais parler. Le maître est allé à la fontaine de la place de la place de Lointainville. Il a dit qu'il y allait pour rencontrer des filles pour un rencard ou un truc du genre. Burk, dégueu. Allez, c'est nous, allons à la place de Lointainville. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ouais, je pense aussi, parce que l'autre là, c'est un petit bâtard. Ouais, on y va tout de suite de ce pas. J'ai pas regardé à l'heure qu'il était quand j'ai commencé à tourner la vidéo, donc on va dire que ça fait 10 minutes. Non, même pas, allez, on va dire 5 minutes. Donc je crois, faut que j'aille sur la place, donc il a un rencard. Ah, voilà, c'est là. Oh putain. Le marginal. Et après, je lui ai dit, c'est pas marginal, c'est le marginal. Oh putain. La fille. Oh le marginal, tu es si drôle. Oh, c'est une histoire incroyable, le marginal. Les filles, il y a du calme, il y aura pour tout le monde. Oh là là, c'est tellement bof ce qu'il vient de dire. Michael? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oh là 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 là. Si ce n'est... Si, attends. Si ce n'est pas qu'elle, mon ennemi juré, tu es enfin ici pour te remettre ta défaite, n'est-ce pas? J'ai pas le temps pour ça, Michael. On cherche Aubrey. Est-ce que tu l'aurais vu quelque part? Ah, arrête de m'appeler comme ça. J'ai rejeté ce nom depuis fort longtemps. Michael, est-ce que tu sais où elle est? Encore ce nom maudit? Comment oses-tu me ridiculiser? Michael, c'est pas un nom maudit, hein, commence pas à me dire ça. Hein. Moi, le marginal ne le tolérerai pas. Préparez-vous à sombrer. Regardez ça, les minettes. Je vais nettoyer le sol avec ce bouffon. S'il te plaît, Michael, ne t'inflige pas ça. Je vais te le demander une dernière fois. Affronte-moi, gros tas. Fais pas ta poule mouillée. On va vraiment devoir arriver là. Ok, bien. Allez, Sunny, abattons-le. J'en ai marre de combattre des gens là. Oh putain. Oh là 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 là. Le marginal. Oh, quel pitoyable idiot. Tu as aucune chance contre moi, contre le marginal. Oh, le marginal, je vais lui. Alors, attaque. On peut pas utiliser notre couteau sans deck. Ah, Omori, juste il tape, il fait de la merde, il a plus de. Il peut plus faire de la. Il peut plus combattre. Hein. Parce qu'avec son couteau, il est grave puissant, Omori. Hein. Alors non, les aptitudes, j'en ai même pas. Bah, je peux que attaquer en fait. Hein. Mais l'autre est en train de prendre cher, le con. 35 dégâts. 11 dégâts. Pas mal. Mais ce combat ne fait que commencer. En fait, on voit même pas la barre de vie du marginal. Ah si, je vois sa barre. Bah, je peux que faire ça. Hein. Toi, tu vas manger. Je peux rien manger. Bah, tu peux que combattre, en fait.
Bah en fait je peux plus combattre, ouais, tout qu'on va combattre. Kel est énervé, merde, mais pourquoi t'es énervé Kel? Tu devrais pas t'énerver. Pendant que tu t'amuses, que tu t'amusais et que tu faisais du sport, je perfectionnais mes techniques juste pour ce moment. Ah ouais, carrément, genre. Tu n'atteindras jamais le niveau de mon niveau de compétence. Tu vas tomber, Kel. Hein. Ah, est-ce que c'est tout ce que t'as dans le ventre? Je n'ai utilisé que 10% de ma force. Admire ma forme finale. C'est quoi ce mec? Je suis juste bien trop cool pour toi. T'es rien qu'un loser. Alors lui, on va le taper. Taper. Bon, il a plus de vie, mais c'est pas grave. Vas-y, Omori, tu le finis. Ah, Omori, il s'en prend plein la gueule. C'est juste ouf. Une question de temps avant que vous ne vous épuisez. Ma victoire est imminente. Non, 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 c'est ma victoire qui est imminente. Senni, il va le défoncer, hein. Senni est énervé. Merde. Calme-toi, 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 Senni. Ça n'a servi à rien. Ah si, c'est bon. Ça va. Ah bah si, ça sert à rien. Ok, bah on va l'attaquer, hein. De toute façon, il reste plus de vie à l'autre con. Ouf, ouf. Non, c'est impossible. Improbable, absolument improbable. Allez frère, je te donne un coup de poing, t'es mort. Ah là. Encore un dernier et c'est fini. Voilà, il a fait mal là. Voilà. Ouf, 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 ouf. Oh, oh, oh. Gars, non. Ne laissez pas se terminer. Se terminer ça. Je bégaye. Voilà, je bégaye, laissez tomber. Non, ça ne peut pas être fini de moi. Peuple de la Terre. Prêtez-moi votre énergie. Ya. Qu'est-ce qu'il fait? Perk. Qu'est-ce qu'il prend ce mec? Il est trop naze. Ça ne vaut pas 10$, pardon. Partons d'ici. Oh. Oh, il s'est fait nexter. Les minettes! Pitié, revenez! J'ai encore de l'argent. Oh, il se paye des... Ah! Le marginal. Pfff. Aïe, il avait une perruque. Michael? Il n'y a personne ici de ce nom. S'il te plaît, je te demanderai... Je ne te demandais plus, je te demanderai... Ah! Je ne te demanderai plus jamais quoi que ce soit de ma vie. Dis-nous juste où se trouve Aubrey et on s'en ira. Faut que j'arrête de pas savoir lire, hein. C'est grave. Ça m'entraîne. Ok, c'est bien. Il se trouve que je sais où elle est et je vais vous le dire. À une condition, tu dois m'appeler par mon vrai nom, le Margi... Oh, oublie ça. À la recherche de Kim, elle doit probablement savoir où est Aubrey. Elle est Vance. Son accro. Ah, quand quoi? Oh, je skip ce message, hein. En gros, elle est accro au sucre. Mon petit doigt me dit qu'elle est probablement pas loin des bonbons. Ok, on va aller au magasin de bonbons. Ah, mais c'est un super marché! Est-ce qu'on irait pas save? Ouais, parce qu'en plus, il a plus de bouffe, l'autre con. Il a plus de vie, hein. Ouais, qu'elle a un PV. On va retourner sauvegarder au panier. On va aller sauvegarder au panier. On va charger la bouffe de... Ah, mais ça doit être là que je puisse sauvegarder. La bouffe, là.
À gauche. Voilà. On peut pas manger? Bon, alors si on peut pas manger, est-ce que là je peux commander? Non, j'ai que un distributeur. Et je peux pas avoir de bouffe pour recharger la vie de quel? C'est pas possible? Je te comprends pas. Comment que ça se fait? On va aller peut-être au supermarché, hein. Ah, ici, il y a encore un panier de fruits. Surtout plein d'oranges. Bon, ben, ok, on va rentrer dans le magasin. Dans le magasin, il doit certainement y avoir de quoi se nourrir. Pas prendre un chariot. Ok. on va se nourrir. On peut pas prendre des trucs à manger là, du raisin. Genre, imagine dans la vraie vie, tu fais ça, tu te mets devant un truc, tu fais des trucs surgelés. Il y en a beaucoup. J'adore ce jeu, ça me tabasse. Les bonbons, ils sont là, les bonbons, voilà. On va aller voir les bonbons. Ouah, con. Oh, une boutique de bonbons, t'as peur, hein. Connaissant Kim et Vance, ils sont improbablement quelque part par ici. Et ils sont en bas, hein, il faut ouvrir tes yeux. Hein. Ouais, là, voilà. Vite, Vance. Fourrons tout ça dans nos poches avant que quelqu'un nous voit. Hey Kim, est-ce que t'as vu Aubrey quelque part? Mince, c'est quel le bolos? Allez, Vance, on doit se tirer. Eh, hey, main en l'air. Je crois que vous avez... Ah, je crois pas que vous avez payé pour ces trucs. Casse-toi, bolos, tu ne me connais pas. Eh, hey, calmos, je vais pas cafeter. On doit juste trouver Aubrey. Vous savez où elle est? Hein, Aubrey? Je sais rien du tout. Et même si je savais, je te dirais pas. J'en ai assez pour aujourd'hui. Kim, faisons un deal. Tu me dis où se trouve Aubrey et je vous balancerai pas d'avoir volé tous ces bonbons. Je croyais que t'avais dit que j'étais pas une balance. Et je n'aurais pas besoin de l'être si tu me disais juste où était Aubrey. Encore vous deux? Je vous avais dit de plus revenir ici. Oh oh! Donnez-moi les bonbons volés! Ne me faites pas appeler les flics! Sourire, sourire. On s'est fait choper! Très bien! Reprends tes bonbons! Et elle se barre comme une connasse. Allez, Vince, tirons-nous de ce trou! L'addiction aux bonbons, voilà ce que ça donne, hein, les enfants. Ah, bien fait. Attends. Comment on va devoir trouver Aubrey maintenant? Allez, Sunny, suivons-les. Bah ouais, il faut juste les suivre. Faut pas être débile. Est-ce qu'on peut acheter des bonbons? Moi, il me faut de la bouffe, là. Tellement de bonbons. Ok, bah tant pis, on va se faire foutre, hein, j'ai compris. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends une seconde, Sunny. Je crois que j'ai une idée. Il a acheté des bonbons. Désolé pour le retard. Allons rattraper Kim et Vance. Ah, tu vas la pâter avec des bonbons. Il est pas bête, là, l'aveugle. Pas sortir par là. Ah. Ça, c'est bien, ça. Nye, 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 nye. Désolé, Vince, pas de bonbons pour aujourd'hui.
Non, pas encore. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. On va mourir. Rentrons juste à la maison, on va être en retard pour le dîner. Vous allez choper le diabète, bande de cons. Attends, Kim. J'ai quelque chose pour vous deux. Encore toi, Kel? Qu'est-ce que tu veux, bon sang, espèce de brute? Oh, brute carrément. Dis-nous où se trouve Aubrey et je vous donne ce gros paquet de bonbons. Vraiment, tout le paquet? Je veux dire, attends. Tu peux nous acheter avec des bonbons? Tu nous prends pour qui là? Je sais pas, Kim. On n'a pas eu de bonbons depuis toute une semaine. Il y a un gros paquet juste devant nous. On devrait même pas payer. Même pas le payer. On n'aurait même pas à le payer. Est-ce que tu veux au moins demander s'il y a des caramels dedans, là-dedans? Est-ce que tu peux au moins demander s'il y a des caramels là-dedans? Arrête, avance, on doit rester fort. Quand on retournera chez papa, on pourra avoir tous les bonbons qu'on veut. Ok? Je vais le faire pour toi, Sœurette. Ah, ils sont frères et sœurs. Kim, Vance. J'attends. Ah, comme si on allait accepter des bonbons d'une bande de bolosses. Oh mince, sérieux? J'étais sûr que ça marcherait. C'est une perte de temps, tirons-nous d'ici. Attends, s'il te plaît, Kim. Tu es la seule piste qui nous reste. S'il te plaît, prends ce gros paquet de bonbons. Il y a même des caramels à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a dit caramel? Je vois. Ça change tout. Très bien. Tu veux vraiment le savoir à ce point, hein? Réglons ça avec nos points. Si tu gagnes, je te dirai où se trouve Aubrey. Mais si on gagne, tu nous donnes ce paquet de caramel. Et tu ne nous parles plus jamais de la vie. Attends une seconde. Il n'y a pas besoin de se battre. Si tu me dis juste où elle est, je vous donne tout le paquet. Mais je veux me battre. Allez, venez là vous deux. C'est l'heure d'en découdre. Mais il a plus de vie. Quelle? Quelle n'a plus de vie? Comment je fais? C'est votre problème avec la baston. Bien, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Allez, Sunny, tu connais le refrain. Mais Kel a plus de vie. Mais voilà, il lui reste un PV. Oh, mais comment on va faire? Faut pas fuir. Aptitude, gadget, goûter. J'ai pas de goûter, j'ai rien. On attaque tous Kim, cette pétasse. Vous n'avez aucune chance. Alors, on peut avoir ce caramel maintenant? Succès déverrouillé. J'ai eu un succès, c'est... Nerd. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Peut-être que ça t'apprendra à t'occuper de tes propres affaires. Je pense que le jeu voulait qu'on perde. Allez, Kim, on doit rentrer à la maison. C'est presque l'heure du dîner et maman va être folle de rage. On est en retard. Mince, partons d'ici. Attends, pars pas! Pitié, Kim! Je sais que tu sais où se trouve Aubrey. Elle a volé quelque chose de très important à Basile. Je sais que vous êtes amis et tout, mais... Toi-même, tu dois ad admettre que parfois Aubrey est pas trop... va trop loin. S'il te plaît. On veut juste aider un ami. Trois petits points, trois petits points. Un petit point. Aubrey est à l'église. Elle est... celle près de sa maison. Hein? Aubrey est à l'église? Elle me regarde pas comme ça. C'est celui qui voulait savoir. Aussi, elle te demande... Aussi, si elle te demande qui te l'a dit, tu me dis... Tu ne dis pas que c'était moi. Dit que c'était Michael ou quelque chose comme ça. Allez, Kim, on doit filer.
Tu sais comment maman va quand on est en retard. Tu sais comment maman est quand on est en retard. Ouais, je sais bien. On y va. À plus dans le bus. Les bolosses. Ok. Fort bien. Oh mince. Ils m'ont pris mon gros paquet de bonbons quand j'avais le dos tourné. Ce sont de sacrés petits voleurs. Hein. Ouais, bah au moins on s'est trouvé Aubrey maintenant. Ou du moins, on pense le savoir. Je n'arrive vraiment pas à imaginer Aubrey à l'église. Mais je le crois quand je le croirai quand je le verrai. Bien! Bien, ben voilà, on aura avancé dans ce jeu, ma foi, fort sympathique. Et je vous propose, je pense que ça doit faire une bonne trentaine de minutes, qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao, ciao!